Depuis quelques jours, les FAMA appuyés par le GATIA et le MSA ont déclenché une opération d'envergure contre l'État islamique au Grand Sahara et ses complices dans la région de Menaka et de Gao. Pour mener à bien cette opération d'envergure, l'armée et les deux mouvements ont envoyé au front des officiers de valeur, dont le général Hadji Gamou. Selon des sources, cette opération d'envergure enregistre des succès. En effet, depuis début juin, l'armée et les combattants du GATIA et du MSA ont lancé une opération de grande ampleur dans la zone de Menaka pour y chasser les terroristes de l'État islamique au Grand Sahara qui commettent des crimes en grande masse. Les FAMA ont engagé précisément les éléments du GTIA-8 commandé par le général El Hadj Agamou. Aussi, le 4 juin, l'armée et plusieurs combattants du MSA et du GATIA ont lancé une attaque sur Anderambukan, occupée depuis la mi-mars par des combattants de l'État islamique. Ceux-ci ont été défaits au cours de l'opération et la ville reprise par l'armée GATIA-MSA. Autre succès de cette opération conjointe, le 14 mars 2002, l'armée a fait décoller un ou plusieurs hélicoptères à Menaka pour effectuer des frappes près d'Inchimnaman contre des positions de l'État islamique. Bilan, plusieurs positions de l'État islamique détruites et plusieurs terroristes neutralisés selon des sources militaires. Parmi les hommes qui mènent cette opération se trouve le général Hadji Gamou. Ce dernier n'est pas un inconnu. En effet, ce soldat dont l'âme s'est illustrée dans beaucoup de batailles pour défendre le Mali, notamment lors de la crise de 2012. Ce patriote colonel-major, lorsque débute la rébellion 2012, il commande alors la garnison de Kidal. Le 18 janvier, Aguel Hawk est attaquée. Elle tombe aux mains du rebelle le 24 et sa garnison est massacrée. Le lendemain, les renforts venus de Kidal et commandés par Gamou reprennent la ville que les rebelles abandonnent sans combattre.